On appelle l'homme pour le pistolet d'or. Vas-y, ouais. Si ça vous dérange pas, je vais vous donner juste les règles un petit peu avant. Personne ne peut jamais jouer, après je donne les équipes. Vous tirez sur un membre de votre équipe, vous perdez des points, ça paraît logique. Lui, c'est bien tirer sur l'adversaire et vous avez tous le pistolet laser pour tirer. Vous appuyez plusieurs fois. C'est où là ? Vous appuyez plusieurs fois sur la détente. Voilà, vous laissez appuyer. Vous avez des munitions illimitées, donc pas besoin de recharger durant la partie. Et la cible au bout du pistolet, vous en rapporte 300, c'est la plus compliquée. Les gars, cachez pas le gilet. Voilà, c'est bon. Allez, tricheurs, les gars. Ouais, Pierre est en train de dire. 4, Romain le 6, Yann le 9, Jesse le 11, Pierre-Yves le 13. C'est qui le 9 ici? César, c'est moi le 9. Et Thierry le 21. Numéro 10, moi là-bas, c'est le numéro. Les bleus, là, on avance. Les bleus, hé. A few moments later. Jess, il met la main comme as. Ah ouais, ben, il a niqué l'arme 10 fois. Ils avaient tous la main comme ça. Il y a les empreintes. Il était en haut, c'était la guerre. Ouais, mais t'es une cible en haut. Les mecs, vous avez fait toucher 0 fois. Oh, Yann, il était dans un train, il bougeait pas, il était comme ça. On l'a pas vu. Par contre, apparemment, il faisait. Au début, je courais au début. Après, je me suis mis dans un coin, c'est bon. Ah, ouais, juste début. Ok, on passe vos résultats. Votre avis, équipe rouge, équipe bleue déjà. L'équipe bleue a gagné. Les bleus. C'est hyper serré, les rouges ont fait 25 450 points, les bleus 25 550 points, donc victoire de l'équipe bleue. Yes! Yes! Et merci! Et merci! Et merci! Et merci! Et merci! 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 Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis? La moitié de l'autre. D'accord! D'accord! Alors, classement individuel, en dernière position, on a Yanis. Qui a fait moins de 200 points. Moi, je me suis caché, moi. 16ème, on a Arnaud. Ah mais combien de fois on s'est fait toucher, c'est ça aussi? 15ème, on a Matar, 950 points. Ah, c'est pas mal, Matar, il est devant vous, c'est grave. Matar, il est touché, c'est grave. 14ème, Neven, qui a tiré une fois sur Matar dans son équipe. Ensuite, Loïs, 1400 points. Qui s'est tiré dessus, Loïs? Ferme la bouche. Jess, il est à part parce qu'il a joué tout seul. Arrête. Jess, c'est ça, Jess. Arrête. Il était comme ça. Stéphane. Bah, Stéphane. Troisième, Yann. 5200 points. Lourd. Bah, ça se voit. Médaille de bronze. Deuxième, César. 7000 points. Bah, Pierre-Luc, c'est sûr. C'est lui, je lui dis. T'arrives pas à mettre de lui, tu tires, ça comptait même pas. T'es cheaté. Bravo. Ah, Jesse, félicitations. Belle victoire. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match? Ouais, bah, je pense que c'est les 15 dernières minutes. 15 dernières minutes, physiquement, on sent qu'on a bossé toute la semaine. Et on les a explosés dans le dernier quart d'heure. Quoi. Au niveau du schéma de jeu, 4-3-3 classique, qu'est-ce qui a fait la différence? Ouais, 4-3-3, et puis on avait dit à nos milieux de bien coulisser, d'apporter des centres. L'important, c'était d'essayer de les encercler. Donc ils sont tombés dans le panneau, donc tant mieux pour nous. Alors, je sais que c'est pas de ton habitude de parler mal des coéquipiers. Rémi Cabella aujourd'hui a été vraiment mauvais, on peut le dire. Je sais pas s'il a joué, Rémi. Il faudrait que je voie avec lui. Mais le peu que j'ai vu, c'était pas super. Là, il y a le deuxième match qui arrive. Comment vous êtes au niveau motivation? Ah, là, on lâche rien. Là, on lâche rien. On joue pour la qualif, donc on lâche rien. Merci, Jesse. Je voulais faire de mon mieux et de mon équipe. Donc voilà, j'ai terminé premier. On a gagné, c'est le plus important. Comment ça fait de jouer sans Ole Salnaes à ses côtés? J'ai pas mes repères, mais bon, ça va, j'ai réussi à rester seul dans un coin et à toucher les autres. On va parler malheureusement de Rémi Cabella, ça a été vraiment la déception? Grosse déception, et en plus c'est un tricheur, donc c'est mérité qu'il gagne pas aujourd'hui. Et Arnaud qui termine derrière Maktar? Ça c'est pas une surprise, hein. On sait très bien qu'il est pas mal nul là-dedans, donc voilà, c'est mérité pour lui.
tu peux nous parler du plan de jeu du coach avant? Ouais, bah nous c'était efficace, hein. C'était bien se placer et surtout d'attendre les attaques et de contrer. C'est ce qu'on a réussi à faire et c'est ça qui nous a valu la victoire. Ça va être quoi le mot d'ordre avant le deuxième match? Bah faire la même première mi-temps. Parfait. Parce que si vous dites pas maintenant, moi je on va pas nous dire après, Ayam. Hey, petit bonhomme, tu vas fermer demain. Allez, arrache. Moi, je suis. Je suis taclé par later. Alors cette fois-ci les rouges 24 150, les bleus gagnent avec 29. Et merci. Cinquième Romain. Quatrième Loïs, 4750. Ah oui, t'as 4750. Podium maintenant, troisième Rémi. Deuxième. On a gagné les bleus. On a gagné. Vous êtes nuls. On vous a défoncé. Bon Romain, deux victoires. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Non, on s'y attendait vu l'équipe adverse. On savait qu'on était largement au-dessus. Une première mi-temps à notre avantage, clairement. On a su les dominer dans l'arène, donc aucun problème. C'était quoi la tactique, le plan de jeu? On rush, voilà, on fonce sur l'adversaire, on n'a pas peur. On savait qu'ils étaient sur le reculoir. Je pense qu'on a fait un bon match. Performance de Rémi Cabella en demi-teinte? En dedans, on s'y attendait. Dès qu'il faut être un homme, c'est plus compliqué. Il est meilleur pour parler, non? Oui, très fort. Ouais, c'est numéro un là-dedans. On n'entend que lui, mais il était dans les derniers comme d'hab, quoi. Yanis Salibur, ça a été compliqué aussi. Ah, le problème de Yanis, c'est qu'il commence à se tirer dessus, donc ça c'est toujours embêtant, quoi. Donc voilà, il s'est accroché. Le joueur qui t'a le plus surpris? Le joueur qui m'a le plus surpris, La Ruf. Je pensais que c'était un attaquant, quelqu'un qui avançait. Non, toujours au fond de sa base. On a réussi à le contourner quelques fois, donc voilà. Objectif pour le prochain match? La même. On va essayer de jouer de la main gauche pour essayer de donner un peu plus de chance à l'équipe adverse. Merci.